Je retrouve notre collaborateur Yves Boisvert. Bonsoir, Yves. Bonsoir, Marie-Christine. Ah, le poste de président de l'Assemblée nationale, on va se le dire, c'est quand même tout un mandat. Hein? Ben oui, parce que, en fait, ça vient d'être très, très bien expliqué. On est, euh, cette personne-là, euh, qui a été élue dans un parti, doit s'extraire de toutes les activités politiques de son parti, d'être un arbitre neutre et euh, de déplaire à tout le monde également, finalement. Ah, c'est vraiment et, de... de... Oui, c'est vraiment de jouer à l'arbitre. Oui, hein. oui, oui, oui. Oui, exactement. Alors, euh, et comme un arbitre, ben là, il, les, les décisions euh, plaisent ou déplaisent euh, d'un côté ou de l'autre. Et là, on arrive dans une situation qu'on a déjà en partant les débats à l'Assemblée nationale, c'est toujours assez euh, robuste. Il y a toujours des moments euh, où ça, ça crie un peu. Et là, il faut baisser le ton, il faut contrôler un peu tout ça. Mais là, on arrive en plus à des questions. Fondamental, à savoir si on donne la permission à des députés élus légalement de siéger à l'Assemblée nationale. Donc là, ça, c'est un niveau de difficulté supérieur. Puis là, la question qu'on se pose, qu'est-ce que le Parti québécois va faire? Écoute, là, je pense que euh, euh, le Québec solidaire a repris l'initiative dans ce concours de à qui va le moins prêter serment au roi. Il euh, y a un certain nombre de jours qu'on peut consacrer à ce débat-là. Et à, à recenser l'article que tout le monde avait oublié, l'article 128 de l'Amérique la, de du Nord britannique, qui force à prêter serment au roi ou à la reine. Et donc, là, euh, ce que Québec solidaire fait au fond, c'est de dire ben nous, on, on, on prête serment, on n'y croit pas, mais on va être là pour présenter un projet de loi qui va faire en sorte qu'on n'aura plus besoin de le faire. Mmh. Alors, si vous restez en dehors, ça a déjà été fait. Hein? Les premiers députés du Parti québécois au début des années 70. Ils ont refusé de prêter serment à la reine. Et après quelques jours dans les, les tribunes euh, du public, bien là, ils ont décidé de revenir dans la partie et donc ils ont prêté serment. Alors, je pense que ce combat-là aura permis peut-être de, euh, si la loi est finalement adoptée, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'opposition à ça, de faire en sorte qu'on ne prête plus ce serment complètement dépassé et colonial. Mais euh, là, le, le, je ne pense plus qu'on peut faire du kilométrage là-dessus pour le Parti québécois. On va revenir maintenant sur cette semaine difficile. pour Le Parti libéral, ouf, doit se dire Dominique Anglade dans ce vendredi, le grosse semaine pour elle. Hein? Ouais, mais tu sais, le, ça peut, les coups peuvent venir le samedi et le dimanche. C'est vrai, c'est vrai. Euh, là, c'est une ancienne ministre qui, euh, Madame Charles Bois, qui, qui a ouvertement parlé contre elle. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait euh, de façon anonyme il y a un mois. Euh, on se demande comment elle va se rendre jusqu'au vote de confiance dans dans à peu près un an, en fait, là. il y a un congrès du Parti libéral. Mais là, elle ne le leader... devrait pas le, le, le devancer, ce, ce vote de confiance, Yves? Là, pendant qu'on va voir une photo qu'elle a, qu a tweetée cette semaine pour montrer bon, une, ouais. une espèce d'unité dans son parti, le sourire aux lèvres, mais est-ce que ne serait pas mieux, justement, de le, de le devancer, ce vote de confiance? Bien, si, si elle le devance, elle va le perdre. Ah. On en est là. C'est un parti qui, qui n'aime pas la défaite. Et qui n'acceptera euh, pas d'être dans l'opposition éternelle. Donc, euh, ou bien elle quitte, mais elle va vouloir quitter dans ses propres termes, ou bien elle va se faire mettre dehors. Et là, que ce soit dans deux mois ou dans un an, c'est à peu près inévitable. Quand même, à l'aise d'être témoin de cette crise-là qui devrait être à l'interne. Et là, nous, on est comme un peu spectateurs de tout ça. On va souhaiter que ça se règle pour eux. Bien, merci beaucoup, Yves, d'avoir été avec nous ce soir. Bon week-end. Bon week-end. Bye-bye.